comme une, deux, trois ou quatre fois par semaine, j'attends Thomas au café où nous avons nos habitudes. Mais ce soir, mon esprit est ailleurs. Il voyage entre mes peines sentimentales et les plaines enneigées du Groenland où vit mon père. Salut Thomas. Salut Thomas. Louis, la même chose, s'il te plaît. T'as fait quoi aujourd'hui? Tennis. Toi, du tennis? T'as repris le tennis? Non, j'ai pas joué. C'est à la télé, c'est Roland Garros. Ah. Merci Louis. J'ai enchaîné 3 matchs d'affilée, je suis complètement sonné. Ah ouais, t'as l'air crevé. Et toi, qu'est-ce que tu racontes? Je suis dans une vraie galère. Ah putain, t'as revu Lise? Ah non? Elle t'a appelé? Même pas. Quel genre de galère alors? Je viens d'avoir mon père par Skype. Il devait venir à Paris avec 2 amis groenlandais. C'était une promesse qu'il leur avait fait de les amener en France. Ils sont jamais sortis de leur village, tu vois? Génial! Ouais, sauf que... il a eu un accident de chasse. Rien de très grave, hein. Il a pris une balle dans la cuisse. Il a jamais été trop manuel, mon père. Enfin, il peut pas se déplacer pour l'instant. Mais les billets, ils sont pris, ça vaut une fortune, t'imagines? Donc ses amis, ils viennent quand même et ils me demandent de les recevoir. Bah c'est super! Et ils arrivent quand? Demain. Ah oui, putain, demain, carrément! J'expliquais ensuite à Thomas que mon père avait organisé un programme précis que j'avais maintenant la charge d'exécuter avec eux. Après, un ami ethnologue de mon père les récupère pour les amener en Suisse. Faire une conférence. Ils repartiront directement de Genève. Tu fais quoi ces prochains jours? Tu bosses? Non. T'as du temps, quoi? Bah oui. Enfin, plus ou moins, quoi. Pourquoi tu me demandes ça? Et comment on va faire pour communiquer? Aucune idée. On va bien arriver à se comprendre, j'imagine. Intéressant. En même temps, si on comprend rien, c'est un peu con. Hein. C'est sûr. Ce qu'on pourrait faire, c'est les enregistrer en train de raconter des trucs et les faire traduire ensuite. Ton père, il pourrait faire ça? Ouais, bien sûr, ouais. On n'aura pas les trucs en direct, tu vois, mais on aura un témoignage. Parce que il faut qu'on reçoive des choses, quoi, qui restent une trace de cette expérience, quoi. Et voilà comment j'ai réussi à embarquer mon ami Thomas dans ce qui s'annonçait comme une drôle d'expérience humaine. Et d'une certaine façon, ethnologique. Tu veux voir les photos? Donc ça, c'est Oli. Ouais. Et lui, c'est Adam, c'est ça? C'est ça, ouais. D'accord. Putain, ils se ressemblent, c'est incroyable, non? Je trouve pas, non. Et on peut faire un petit essai, s'il te plaît? Ah, ok. Vas-y, parle. Bonjour, Thomas. Moi, c'est Thomas. Bonjour, Thomas. Moi, c'est Thomas. C'est bon, ça marche. Thomas, les voilà. Là. Coucou. Allô, coucou. Allô. Allô. Bonjour. Allô. Bonjour. Oli. Thomas. Bonjour, Thomas. Thomas. Bonjour. Oli. Thomas. Je suis le fils de votre ami Nathan. I am the son of your friend, Nathan. Ah, et c'est un ami, Thomas. I am the friend of Thomas and... Thomas and Thomas. On s'appelle tous les deux Thomas. Adam. Non. Non. Oli. 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 Ah, Adam. 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 Ah, okay. Adam. Okay. Bienvenue en France. Bienvenue. Voilà, c'est chez moi. C'est ma maison. J'ai un petit coup de poudre. Voilà. Pareil, j'ai un petit coup de poudre. Vous avez soif? Vous voulez boire? Boire de l'eau? Et même, mec. Et même, mec. Vous avez chaud? Oui. Oui. Vous avez chaud? Chaud? Chaud. 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 Qui est qui? Ah, il y a qui est là? Qui est qui? Qui est qui? Oui, moi pas. En même temps, c'est un talent de savoir gérer sa fatigue. Quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu
Tu t'en fous, tu regardes pas. Bah si. Allez. Il est cuit, quoi. Il marche, il a plus de jambes. Il a plus de jambes. Vas-y, bouge-toi un petit peu. Quand même. Vous avez des enfants? Vous avez des enfants? Vous avez une femme? Enfants? Des petits enfants? Ah, une mère. Combien? Pinch. Trois? Adam, trois enfants? Pinch. Et toi, combien t'as d'enfants? Moi, je suis jamais. Quatre? Je suis jamais. Chez Chamé. Chez Chamé. Mais vous, toi, tu as quel âge? How old are you? How old are you? Ton âge? Me? Ah, il m'a compris. Ah, 33. Incroyable. Yeah, 33. Comme moi. Ouais, ethnie. Hein? Ethnie. Ok. 80. Vous connaissez quelque chose en France? De particulier? Ou rien? Schwarzmann, je prends un crime. La Tour Eiffel? Ou un minute. Et moi, je suis un homme qui a été en Europe, mais il m'a dit que je suis un homme qui a été en Europe. Et je prends un crime qui a été en Europe. D'accord. Ben, nous, Oli, on va se faire retraduire en fait après avec son père. Après? On comprendra après, en fait. Pourquoi il porte ? Si. Et sinon, vous connaissez les chanteurs français ? Edith Piaf, vous la connaissez ? Edith Piaf. Mais non, ils ne connaissent pas Edith Piaf. Bah pourquoi pas, tout le monde la connaît. Mireille Mathieu. Mathieu. Non, vous la connaissez pas. Georges Brassens, le gorille. Ou Georges Brassens ? Je pense que c'est un appareil. Ou peut-être qu'il a dit... Ah, toi, tu joues déjà de la guitare? Tu joues de la guitare? Man, Da 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 da
La journée du lendemain commençait par la visite d'un zoo en banlieue parisienne. Il voulait voir des animaux dont il ne connaissait que les représentations. Oui. Ça, ils adorent ça, par exemple, tu vas voir. Regarde-les comme ils aiment. Tiens. Hop. Ils aiment ça. Là, on est un tuc. Ec. Ec. Ils adorent ça. Nanouk. 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 Tu chasses Nanouk. Nanouk. Tu chasses ça. Ils doivent être blancs. Nanouk, comme ça, blanc. Je suis en train de chercher un équivalent pour nous à ce qu'ils sont en train de vivre là. Et alors? En fait, je vois pas vraiment quoi. Bah, c'est un peu comme la première fois que t'es allé au zoo, quand t'étais gamin. Bah, j'ai pas de souvenirs. Je crois que j'ai jamais été au zoo, en fait. Sans déconner, t'es jamais allé dans un zoo? Bah non, je crois pas. La suite du programme nous incita à prendre de la hauteur. C'est la Tour Eiffel. Tour Eiffel. Et il y a le champ de Mars devant. Le champ de Mars. Champ de Mars. Champ de Mars. Ouais, c'est ça. Oli, Adam. On peut voir Notre-Dame, l'église. C'est beau, hein. Mais on aperçoit un peu le Luxembourg. Là, c'est Notre-Dame. Hein? Tiens, Adam. Et il y a... Il y a le Luxembourg. Il y a le jardin du Luxembourg. Là, c'est le Louvre. Le musée du Louvre. Je suis là, là. Montré ou non, tout, hein. Et là derrière, c'est le cimetière Montparnasse. Juste en dessous, là. Il y a ma grand-mère, elle est enterrée là. Juste là. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est que des gens morts. C'est que des gens morts, ouais, c'est ça. Et vous, vous avez un cimetière aussi? Vous les enterrez dans la glace? Peut-être? Oui, oui, il est comme ça, les cimetières? Si un gars a une sorte de raffine, mais il est raffine. Si un gars a une sorte de raffine, ah, on est un point parmi plein. Ah, c'est ça, j'avais pas compris. On est tout petit par rapport au monde. Au reste de la planète, d'accord. Bien sûr, ouais, mais j'ai pensé vrai. Que tu parlais de ton igloo, que tu enterrais les gens. J'avais pas compris. De toute façon, grâce à ça, on comprendra plus tard. Après, ouais. Mais c'est vrai qu'on est tout petit. Touché, mon frère. Ils sont beaux quand même. C'est bien, c'est un peu tranquille aussi, profiter. Bah ouais. Parce que quand même, peut-être qu'on les... Bah j'ai l'impression qu'ils sont contents d'être avec nous quand même. Tu crois? Peut-être moins Adam que Oli. Oli, il a l'air ravi, quoi. Adam, il est timide peut-être plus, tu vois. Ouais, ce serait plus toi. S'il y avait un équivalent. N'importe quoi, je suis pas du tout timide. Ah bon? C'est hyper timide, Thomas. Je suis pas du tout timide, Tu sais pas, on a mis au moins un an avant de se parler. Je suis pas du tout timide, n'importe quoi. Bah si, t'es timide. Bah non. Bah si. Bah non. Bah si, je te le dis, si. On a mis au moins un an avant de... C'est parce que je prends le temps de rencontrer les gens avant d'être tout timide. Moi, je suis pas... Voilà, bah c'est timide, ça, de prendre le temps de rencontrer les gens. C'est quoi? C'est du respect aussi envers les gens, c'est normal. Ah bah toi, forcément, tout de suite... Ben quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, rien. Toi, tout de suite, quoi? J'ai du respect, moi. Mmh. Allez, fume des clopes, Edwin. C'est permis ou pas? Ben, je crois qu'on est en plein air. Il est où le gardien? Il y a personne, tout ça.
Ça, c'est Ouli. Et ça, c'est Adam. Adam. Et moi, c'est Thomas. Et moi, c'est Thomas aussi. Et moi, c'est Tiffania. Et moi, c'est Vanna. Vanna. Tiffania. 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 Et ils parlent pas français. Ils ont jamais vu d'arbre, de pigeon. Ils sont fascinés par les... Les métros non plus. Photo. Photo. Vous voulez faire une photo? Ah ouais, une photo? Ah oui. Photo. Sourire. Sourire. Encore une. J'ai plus 5. Je m'étais dit qu'à J plus 5, je considère que c'était mort. Tu dirais quoi, toi? Non, je dirais pas que c'est mort. Des fois, je suis à deux doigts de lui envoyer un truc du genre « ça va ?» Non, c'est pas ça. Et c'est bon pour demain? T'as pu voir avec ta mère pour la voiture? Ouais, c'est bon, j'ai négocié. Elle te demande quoi en échange? Faut que je passe la tondeuse et que je taille ces putains de rosiers. Oh, putain, dur. Hein. Ouais. Le contrat moral qu'on a avec nos parents, je te jure, ça nous aide pas à grandir. Ça va nous faire du bien, un peu de vacances. Ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas quitté Paris, moi. Faudra faire attention. C'est l'océan. Il y a pas mal de vagues. Vagues. Des vagues. Ils sont vraiment chouettes, hein, ils font jamais la gueule. Le voyage fut un peu long. Et nous sommes arrivés sur la dune du Pilat à la fin de la journée. Le ciel était bas sans être vraiment menaçant. Nous sommes descendus vers la mer. Ouli et Adam allaient s'y baigner pour la première fois. Ouli, ça va? T'as pas trop froid? Pas trop froid? Elle est bonne, non? Attends, tu veux jouer? Raquette? Avant de quitter la plage, Thomas n'a pas pu s'empêcher d'exposer ses talents tennistiques. Nous avons assisté avec Ouli à l'affrontement spectaculaire de nos compatriotes respectifs.
Ich auch petit. Merci. Merci. Et chouchou. De rien, ça c'est de rien. De rien. De rien. De rien. De rien. C'est du vin. Sous-chanaille, oui. Sous-chanaille. Oui, ils en boivent jamais. Hein. J'aime pas ça. Chez nous, tradition. Tradition. Le vin, c'est dans notre culture. Ça ne sort pas. Vous goûtez ? Non. Non. C'est la France. C'est la France. Vive la France. Vive la France. Décider ça avec mon père. T'aurais pu me le dire quand même. Si je te l'avais dit, tu serais pas venu. Je les envoyais, les copains de ton père. Putain, mais fais un effort, ils font ça pour eux. Ils avaient envie de voir comment on chasse ici. Bah, je préférais la mer. C'est autre chose. Allez, putain, il faut qu'on y aille, ils sont loin là. Bref, nous avons passé la journée à courir derrière des chasseurs qui couraient derrière des chevreuils invisibles. Revenu bredouille, Ouli et Adam se sont lancés dans une démonstration de manipulation de fouet. Puis, nous nous sommes enfoncés dans la forêt, débarrassés de nos accompagnateurs. Arrivés au mobilhome, Ouli et Adam se sont aussitôt couchés, épuisés. C'était notre dernière soirée. Dire que demain, ils se barrent en Suisse. Demain, déjà, il nous faudrait rentrer à Paris. Je les aurais bien amenés dans un... Thomas énonçait avec regret les diverses activités ou visites culturelles que nous aurions pu faire si nous avions encore eu une journée ou deux devant nous. Ou un concert, ouais, je les aurais bien amenés dans un concert. En même temps, on a d'autres choses à faire, nous aussi. Ouais. Faut qu'on reprenne nos vies, quoi.
Ouais. Moi, j'avais jamais dormi dans un mobil-home. Je crois même que c'est la première fois que je passe une nuit dans un camping. On finit la bière, puis on va faire un tour? On est à la bourre. Il nous attend en métro, normalement. Il ressemble à quoi? Je sais pas, genre ethnologue suisse, quoi. Je me gare. Vous êtes Monsieur Tanner? Oui, bonjour. Vous êtes le fils de Nathan, j'imagine? Exact. Je vous présente Thomas, un ami. Bonjour. Adam, Uli. Ah, putain. Nous, on arrive à Ilissimane. Nathan au Krachport Kachout. Ah. Nous, on arrive ici, Franck Rimi. Mais ça coûte, il ici, au Terreport. Il ici, mais il y a un autre. Au Kalout, toi, ça vit ici. Mais il y a un autre, tu n'as amené l'autre, tu n'as pas de l'autre. Bon, on va pas traîner, on a un train dans une demi-heure. Ah, d'accord. Toi, vie? Pardon? Vous viendrez les voir bientôt? Ben, oui, bien sûr. Oui, dites-leur qu'on viendra. Tekiputs nayuga krarfimi. Ah, poyana. Ilich. C'est pour moi? C'est pour vous deux, c'est un cadeau. Merci. Kruyan. Merci, Adam. Merci, Krunyaman. Kruyan. Merci, Oli. Merci beaucoup. Oh, c'est trop beau, merci. Kruyan. Ta couche. Bye. Ta couche, Oli. Ta couche. Ta couche. C'est Lise. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle propose qu'on se voit. Bah, qu'est-ce que t'attends pour répondre? Je ferai ça plus tard. On va se boire un verre? Ouais, si tu veux. Mais tu devrais lui répondre. Plus tard. Franchement, je pensais pas qu'elle allait te rappeler. Ah ouais? Bah ouais. Bah pourtant, t'avais l'air d'être convaincu. Ah ouais, mais j'ai dit ça pour te faire plaisir, mais j'y croyais pas. Ce soir, mon père m'a contacté par Skype. Au cours de la conversation, il m'a appris qu'au village, Uli et Adam se faisaient appeler Inupilouk. Inupilouk, ça veut dire à peu près... gangster. Regarde, c'est tout simple, Thomas. Tu prends ta balle, déjà, tu prends ton temps. Ça, c'est important. Règle d'or. Ensuite, voilà, hop, tu sers. Et pour servir, tu lèves bien ta balle bien haut. Et je te propose de servir comme ça, parce qu'il y a le truc de professionnel, mais ça, t'y arriveras pas. Je te le montre quand même. Tu vois, ça passe tout seul. Et puis pour le cri, ça viendra plus tard, ça. D'accord? Attends, j'ai pas de balle. Ah, tiens. Prends toujours tes balles avec toi, Thomas. C'est important aussi. Allez, on y va. Elle est pas complète, ça? Sapata, and I ran and it is saying it all.
kasamniyakinak ang ayok suwa pinasit madidil sa suwa tingo uri isiman na ang kasamniyakinak ang ayok suwa pinasit uyadil sa suwa tingo Kikutunit at sakaluwa sa pata ang ayawa at sa sengito. Kikutunit at sakaluwa sa pata ang ayawa na nikisengito. Oh, c'est magnifique. Merci. Merci. Kroyana. 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 Kroyana Aoli. Yeah. Kouyana Adam.